Merci Sarah. Sur le web, Olivia, qui nous accompagne ce matin, veut parler d'un site, qui œuvre justement, tiens, pour notre patrimoine, Olivia. Et ça s'appelle D'Artagnan et c'est la première plateforme de financement participatif dédiée à la préservation du patrimoine culturel. On connaît le crowdfunding pour soutenir des artistes, des innovations, des projets humanitaires. Là, c'est entièrement au service du patrimoine. C'est en France dans la grande majorité des cas, mais par exemple, le projet du jour, c'est en Arménie que ça se passe. Parmi les projets du moment, certains visent à réparer les dégâts causés par la crue et les inondations. C'est le cas notamment de la maison Elsa Triolet à Aragon dans les Yvelines ou encore le musée de Montargis. Mais on peut aussi participer à la création de spectacles, aider à restaurer le plus vieux manège de France, contribuer à la restauration du château de Vaux en Auvergne et bien d'autres projets encore. C'est une plateforme qui mérite toute notre attention et qui prouve qu'on peut tous jouer un rôle dans la préservation de notre patrimoine et de notre héritage historique. D'Artagnan avec un S à la fin parce qu'il faut plusieurs mousquetaires pour mener tous ces projets à bien. Merci Olivier. Et on peut parler de la maison Louis de Funès qui a pas mal de problèmes. Donc si on peut aider le musée Louis de Funès. Mais qu'elle aille sur D'Artagnan, voilà. Je crois qu'elle n'y est pas. Voilà, c'est là qu'il faut aller. Merci beaucoup Olivia. La météo. Voilà.